il y a maintenant l'un des grands espoirs, lui aussi, de la gymnastique française. Il est lyonnais et il a 18 ans. Champion de France junior, Yann Kutchera. Beaucoup plus fort à la barre fixe, mais au cheval d'arçon, grande spécialité française, on peut tout attendre désormais des gymnastes tricolores. Éric Poujade, aïe, interruption au cours de son exécution, mal concentré Yann Kutchera. Oui Pierre, vous l'aviez dit, le cheval d'arçon n'est pas son meilleur agrès, effectivement. Néanmoins, il a parfaitement réussi cet engin au concours général puisqu'il s'est hissé sur le podium. On parle de lui depuis déjà 2 ans où il avait pris avec l'équipe de France Junior la 2e place derrière l'équipe russe. Il a fait son entrée, sa première entrée dans le sérail des seniors au championnat du monde de Lausanne. Voilà, il est en pleine phase, je dirais, d'apprentissage de la haute compétition. Voilà donc un exercice avec ses grands cercles. Qui doit inspirer Philippe des Touisseries, puisqu'il a sûrement évolué au cheval d'arçon dans un concours général. Et voici un garçon qui se désunit en fin d'exercice. C'est Yann Kutchera qui a besoin de mûrir. Voilà, parce que la gymnastique, c'est aussi la concentration et une préparation psychologique à un mouvement qui dure parfois 50 secondes. Et dans ces 50 secondes, il ne faut pas oublier un élément important de ces enchaînements. Oui, c'est l'agrès le plus difficile de toute manière pour la gymnastique, pour le gymnaste. C'est un agrès d'équilibre.